sommes le lundi 13 juillet 2020 et je suis parti au lac des Vieilles Forges, mais alors de l'autre côté, hein, dans les bois, sur l'autre rive, faut pas être emmerdé, j'aime bien être seul, vous le savez. Donc voilà, on va faire une belle balade dans les bois, parce que les bois bordent le lac, là, sur cette rive-là, et c'est vraiment très très plaisant. Et puis, depuis que j'ai commencé, là, j'ai vu personne, hein. Je suis arrivé à 9h30, là il est 10h, il n'y a pas un chat, tant mieux, pourvu que ça dure. Allez, une bonne journée, et à plus tard. Voilà, ça c'est le lac des Vieilles Forges, mais sur l'autre rive, c'est-à-dire la rive qui est beaucoup plus isolée, qui n'est pas fréquentée, et finalement, ou très peu, puisque la plage est là-bas. Donc bien tranquille pour cette petite promenade. Regardez comme c'est beau. Bon, visiblement, pour le moment, il n'y a pas grand monde à la plage. Hein. Il faut dire qu'il est encore très tôt. C'est un bien bel endroit. Hein. Voilà, hein, ça fait une heure que je marche maintenant pour arriver là, là, juste en face de ce qu'on appelle la petite plage. Donc, y a un super beau temps aujourd'hui là. Là, il est 10h30. Hein. On voit le club de voile, on voit l'entrée d'Elphi Park. Beau petit voilier qui navigue là. Il y a de quoi faire. Après la voie verte Transardenne, la Transmoisienne, il y a une troisième voie qui a été rouverte et qui va de Bonny-sur-Meuse à Rocroi. Elle s'appelle la voie vive. Hein, vous voyez les panneaux. Donc ils ont aménagé quelques passages au-dessus des petits ruisseaux pour préserver l'écologie, c'est important. Hein. Voilà, donc ça va être un beau parcours aussi, hein, ça, un parcours que je connais pas en fait. Hein. Donc, voilà le petit ruisseau qui coule des bois et qui passe sous ce pont aménagé pour préserver tous les écosystèmes. Ça ne coule pas beaucoup, mais c'est bien sympathique d'entendre ce bruit-là. Bon, j'ai trouvé un petit coin bien sympa pour casser la croûte là. Voilà. Bon alors aujourd'hui c'est un petit reste. Un petit reste de saucisses et de pâte papillon. Donc au curry, au curry fort, parce que j'aime le curry fort, et puis voilà quoi. Bon, ça commence à bien cuire, hein. Ça commence à sentir bon. Hein. Il faut dire que j'ai mis pas mal de saloperies, dedans il y a du jus de rôti, sel, poivre, gingembre, curry fort, voilà quoi. Avec des bonnes petites saucisses, enfin des bonnes grosses saucisses que j'ai coupées en deux. Voilà, donc j'en ai mangé hier, c'était très bon, mais réchauffé ça va être encore meilleur, surtout dans cet environnement au bord du lac. Hein. Et bien je suis au poil, ça va pas tarder à être prêt hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, ça va vite à réchauffer. Eh ben, mes petits camarades, je peux dire que je me régale.